Salut les amis, salut Maurice, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gwendoline. Et oui, alors oui, encore une vidéo sur Gwendoline. J'ai pas fait une vidéo sur la ferme américaine. Donc là où Streammap, je vais la laisser en suspens puisque normalement le 25 ce samedi, je crois, il y a la Berman qui sort. Mais écoutez-moi, qui sort simplement pour les supporters, c'est-à-dire que vous avez payé. Un don, que vous avez fait un don de soit de 5 euros pour 30 jours, de 15, un truc comme ça, je crois. Donc, moi, comme il me restait un peu d'argent sur PayPal avec la YouTube Money, vu comme j'en touche plus, il m'a resté un petit peu. Donc, du coup, j'ai payé 5 euros. J'ai dit, allez, hop, on va voir un peu ce qu'elle donne. Donc, je pense que là, je changerai la stream map par rapport à la Berman. Voilà. Du coup, alors oui, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette carte? Donc il y a beaucoup de nouveau qui est arrivé. Oh, il a rangé le semoir ici. Donc alors, Monsieur Franck est à K 68, mais il est où là? Du coup, oui, donc je regardais parce qu'il y a Franck aussi sur la partie, mais il n'est pas en vocal avec moi. Puisque la semaine, en fait, la semaine, je vais jamais pratiquement sur le Discord, même jamais d'ailleurs, juste les week-ends aussi, ou en texte, ou en chat, ou en texte et tout. Donc, et apparemment, il a acheté une repas pour les betteraves. Donc, moi, il y a un petit stayer qui est arrivé, je sais pas si je vous l'avais fait voir, 41-45. Donc ça vous l'aviez vu, ça. Bon Dieu, qu'est-ce qu'elle fout dans le. Ah mais c'est chez. D'accord, c'est chez David. Ça vous l'aviez vu. Mon Manitou. Alors putain, moi alors, je sais pas vous les gars, ceux qui jouent sur la carte, ceux qui font les moutons, je sais pas s'il y en a beaucoup. Mais alors moi quand le fumier est plein ici. J'ai du fumier qui apparaît. Ah bah ouais, il y a du fumier qui apparaît ici. Mais alors attention, il donne le fumier chez les moutons. What the fuck? Ils en sont où avec la palette? Donc elle est pratiquement pleine. Ah mon Dieu, elle est où ma palette? Ah, ils sont là. Ah, j'ai 3 palettes de laine. Je sais pas s'ils payent bien la laine là, j'ai pas regardé. La laine, t'as une mauvaise haleine. 1 000 euros. 1 000 euros le machin. Ouais, on va attendre d'en avoir beaucoup. Alors, du coup. Alors, j'en ai. Ah putain, je suis coincé. Alors, ça, vous l'avez vu. Ça aussi. Ça. Le petit line track, je sais plus si je vous l'avais fait voir. Ouais. Ah oui, vous voyez, j'ai. Ah, faut que je finisse d'enrubanner mes bottes d'herbe aussi pour faire l'an. J'ai attaqué un silé et il y a une nouvelle remorque qui est arrivée. Une remorque Durante. Ah, Durante. Ah, Durante. Pourquoi il y a le clignotant hein? Marteau. Donc, du coup, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, non, je suis en train de. Voilà, on va continuer un peu à battre du colza. Hop. C'est quoi cette touche au milieu là? Hein? Ça vient de moi ou. De moi non? Ah ouais, ça doit venir de moi. Désolé les amis. Ah ouais, non, ça venait de moi. J'ai cru que j'avais vu quelque chose, mais. Attendez, on va aller faire signe à. Merde, j'ai mis un ouvrier con, quoi.
Attendez, on va faire signe à monsieur, monsieur Técoz, à la légende. Et où, putain, il va où là? Vous voyez, il est là. Oui. Puis drop, attendez, je vais me téléporter là. Hop. Et dépêchons-nous, on va le louper, on va le louper, dépêchons. On va le louper. On va le louper. Dépêchons. Ah non, je parie qu'il va passer avec un cos. Regardez, regardez, il monte avec son cos, regardez. Oh, il est passé avec une benne le bouche. Salut. Allez, fais coucou à la caméra. Fais coucou. Oh, quand il saute, hein, j'avais jamais fait gaffe. Oh putain, lol. Oh putain. Oh, mort de rire. Ah, c'est vrai que bon, j'ai pas joué souvent multi, mais mort de rire quand il saute. Oh punaise. Faut pas rigoler. Bah allez, oh là, sauvegarde. Qu'est-ce qu'il va chercher? Ah mais l'arme. Ah, il va peut-être vendre son nom, je sais pas. Ouais, j'ai même pas fait le tour. J'ai dit je vais acheter un petit champ. Du coup, je me suis acheté le petit 30 et j'ai dit oh, c'est un petit champ. Et ben effectivement, oui. Alors je vous explique pas les autres que j'ai achetés. Merde, du coup j'en loupe comme un couillon de la lune que je suis. Ouais, donc du coup je me suis dit bah je vais acheter un petit champ. Donc du coup alors moi il faut. Oula, oui ça, alors ça c'est un bug à chaque fois multijoueur. Attends, je sais pas si ça va. Bon du coup moi j'ai le 30 et j'ai acheté le 7 en colza. Ouais c'est ça. Colza, tac. Ah, il doit aller, à mon avis, il doit aller à la concession, peut-être, ouais. Par contre, est-ce que je vais avoir besoin de mettre de la chaud, besoin de chaud? Oh merde, j'ai chaud. Oh, il fait trop chaud. Ah, mais non, il doit aller, bah non, il va au champ de betterave. C'est lui qui a attaqué les champs de betterave. Non mais j'étais en train de calculer. Ouais alors je sais pas si je vais faire que des moutons parce que c'est vrai que les moutons je vais vous faire voir hein, moutons regardez je mets 5000 d'eau putain mais de l'herbe ils ont déjà bouffé la moitié t'sais. Eh mais c'est des vrais gorées oh. Bon j'ai racheté des moutons mais c'est des vrais gorées. Il y a déjà 2000 encore 2000 de fumier, j'en ai déjà sorti au moins d'abord 20 000. C'est pas des moutons que j'ai, moi, c'est des cochons. Des cochons moutons, des cochons les nœuds, dis donc. Je me suis dit, il est pas bien grand le champ, mais finalement, il est bien assez grand. C'est ça, à mon avis, il doit faire les betteraves. Ah oui, il veut faire du. Ah, il a dû emmener une benne de pour faire du jus de betterave. C'est pour ça qu'il revenait de là-bas. Ouais, tout à fait. En plus, je lui ai posé la question si c'était lui qui. Ah, mais il a mis un ouvrier. Je sais pas s'il marche bien son ouvrier. Si, non. Parce que mon vieux, mais les ouvriers sont cons. J'ai voulu mettre le follow me sur le serveur. Il passe pas le dossier.
Parce que, putain, ouais, ça me dit que le dossier est corrompu, donc ça veut dire qu'il est pas multi, il faut le mi. Ça, c'est dommage, parce que, putain, quand tu dois t'emmener tous les matériels de la concession à ta ferme, des fois, c'est long, quoi. Moi, ça va, je suis pas trop loin, mais tu prends comme, par exemple, David, qui a la ferme des cochons, qui est vers le 38, ou même celui qui prendrait la ferme, ouais. Mais c'est bizarre, les fermes sont toutes concentrées en haut, en bas, il n'y en a pas. C'est dommage qu'ils n'en aient pas mis une ou deux en bas vers le champ 42 ou 41, tu vois. Ouais, ça serait été. Ouais, ça aurait fait une tirée pour aller chercher les. Merde, pourquoi je suis reparti comme ça, moi? Oh là là. Oh là là, oh là là. Bah oui, mais je discute, et puis je sais pas ce que je fais. Oh là 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 là. Oh, ce Castillo, oh, qui sera, sera. Donc voilà. Donc deux. Ah, il rem... Voilà, mais c'est qu'il ramène une benne, dis donc. Et du coup, le colza, si à combien il est là? Parce que je vais voir si je le stocke ou si je le. Alors, le colza. On est à 1200, 1300 à Gendoline. C'est où Gendoline? Gendoline. Oh putain, c'est juste à côté, mais ça a augmenté parce que ce matin quand j'ai regardé, bah, c'était l'autre qui était. C'était l'autre byway. Quand je repense, oh, je vais acheter un petit champ. Un tout petit champ, qu'il a dit le monsieur. Oui, tout petit, mais non, putain, je sais pas combien il fait des hectares, mais il doit faire quand même pas mal. Oh, j'ai acheté le 3 et le 2 qui sont. Ouais. Ouais. Ben dis donc, on demandera de l'aide avec les moissonneuses. Je sais pas si Franck il l'a torché le champ 24 là, parce que c'est lui qui a acheté le champ 24, il est énorme. Marc David il a acheté le champ 10, c'est pas mieux non plus. Il y a le champ 15 aussi qui est pas mal, tout en longueur là. Il est pas mal. En plus tu dois. Je sais pas ce que t'as au milieu, si c'est une ligne électrique ou pas, mais. Ça fait plein de petits points, c'est pas bon parce que c'est en collision les pylônes en plus. Alors, je sais pas si l'autocombine il passe sur le serveur. J'ai essayé de mettre la dernière version là. Ouais, j'en parle avec Franck d'ailleurs. Trésorier de la Cuma. Ah, faudrait que je suis pauvre, ouais, faudrait que je voie avec lui. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, je sais, on moissonne. Ça fait longtemps qu'on m'a pas vu moissonner d'ailleurs. Ouais. Ouais, donc pour en venir, donc oui, donc il y aura bientôt. Donc voilà, donc je pense, bah, peut-être pour demain soir, j'en sais rien quand, dans quel état j'entrerai. Parce que demain matin, on a un arrêt d'eau assez casse-couille à faire, en plus remblai et tout. Aujourd'hui, on est à marner comme des cons. Je verrai si demain soir je fais une petite vidéo sur l'Amérique dans la ferme américaine. Il y a God El Roche aussi, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour, enfin, j'ai à voir ce qu'ils ont fait. Puis là j'ai attaqué Battlefield 1, j'ai acheté Battlefield 1 qui était pas trop cher. Je l'ai attaqué, enfin je vais l'attaquer, enfin, je fais le début mais je n'ai pas attaqué les chapitres. Il y a Russian Fishing aussi, il faudrait que j'aille voir. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas bien le temps de jouer en ce moment.
T'as du boulot, t'as le jardin qui est attaqué, j'ai planté ce week-end d'ailleurs, bon. Après le soir, t'es crevé quoi. T'as l'air d'avoir du rendement quand même avec les betteraves. Et encore, on a pas mis hop là, hop là, plop, 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 hop, 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 bijou, caillou, genou, jibou, joujou. Encore, on n'a pas mis les herbes, les mauvaises herbes, parce que faut passer deux fois pour les mauvaises. Tu passes fertilisant, tu te rends compte tous les grands champs qu'on a, mais tu fais que ça, quoi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, mais bon, pas déconner non plus, quoi. Il y a le mode aussi, contracteur mode, qui est sorti. Vous savez, c'est un mode qui était sorti sur le 17, où vous avez 4-5 personnages que vous jouez en solo. Ça fait comme si vous jouez, mais en fait, vous jouez tous les personnages, quoi. C'est bien, pas bien, quoi. La sortie, ils sont pas autonomes, quoi. Elle est où? Ah, ben, elle est derrière. Oh, le con. Moi, je m'en vais dans l'autre sens. Oh, il y a l'air, bon, Maurice. Je sais pas si je veux pas me lancer. Faut que je mette 2 ou 3 modes forestiers. Me lancer un peu dans le forestier, faut que je mette. Je sais pas si je l'ai pas mis le treuil. Mode forestier, s'il vous plaît. Mode forestier, équipement forestier. Ah non, je l'ai pas mis le treuil. Oh, oh bon, oh bon, oh bah dis donc. Oh bah j'ai pas mis. Bordel, mais je suis coincé moi. Ah oui, ah oui, mais la masse qui coince. Ouh là là, ouh là là, heureusement. Oh, j'ai ma force. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Oh, mais c'est du RP, ça, dis donc. Bah, bien sûr que c'est du RP. C'est du RP tout neuf, tout validé, sorti des rouleaux de papier. Roule de. Vous voyez, j'en ai déjà vidé une trémie. Putain, ça fait déjà 17 minutes de vidéo, mais non, ça passe. Hein. Mais je sais, il n'est pas bien dans sa tête. Nous sommes pas bien dans la tête. Il est pas bien dans la tête. Hop là. Bon. Ouh là 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 là. Attends, ça va faire des sous. Je sais pas si j'y stocke ou pas, je sais pas, je vais voir. Ça bosse. Ah ouais, il l'a mis l'ouvrier. Ouais. Putain, il a torché le champ d'abord. Hein. Putain, la vache, il bosse le mec. Non, si je descends. Ah oui, puis j'ai de l'herbe à ramasser pour moi. Oh punaise. Oh, ça me fatigue. Ah, parce que si je descends, je vais continuer un petit peu mon. Je continuerai hors vidéo mon colza là. Putain, j'en ai 2 champs à faire. Et hop. Ouais, mais j'ai pas la. Je crois que j'ai même pas acheté de fourche. Non, j'ai le godet, mais j'ai pas la fourche. J'ai oublié de la. Faut que je l'achète. Alors, je sais pas si je ferais que des moutons ou si je fais peut-être. Faire peut-être des vaches, ça me plairait bien de faire des vaches, j'en sais rien. Faut que je regarde s'il y a un bon petit terrain pour un côté, ou alors me lancer de faire du bois des fois, tiens, ça pourrait être amusant. C'est quand j'aurai beaucoup de sous, peut-être me mettre à faire du bois, tiens, ça pourrait, ouais. C'est vrai que putain, faut que je. Oh, ça fait un moment que je vous ai pas fait un épisode sur le bois, moi. Et comme je vous dis, c'est vrai qu'il manque de temps. Merde.
pense que là. Ouais, parce que si je fais un ensilage, ouais, j'en sais. Voilà. Ah. Mettre quelques bottes, hein. En mettant une dernière, et puis j'arrêterai. Hop. Hop là. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Les amis, je vous dis aimez, partagez et abonnez-vous. Salut Maurice, portez-vous bien.